Au même titre que Terboaf, on ne peut pas accepter qu'ils tiennent des propos aussi bien sur les Noirs et les musulmans. Bah tu me fais une transition. J'allais justement vous demander, Amine, si au même titre, vous avez, concernant Éric Zemmour, parce qu'il est, il reste assez emblématique sur ces questions-là, bah, la même déontologie quand il est effectivement, pour le coup, condamné à deux reprises, et il est sur une troisième affaire. Et on peut comparativement, même si je trouve que ce n'est pas très utile de faire un challenge d'insulte, et d'injures, mais c'est vrai qu'avoir dit que tous les migrants étaient des voleurs, des violeurs et des assassins, d'expliquer que le vert des écologistes était le vert de l'islam, enfin que les prisons étaient remplies de noirs et d'arabes, enfin on est quand même, hein, si on fait quand même un comparatif, à peu près sur le même niveau. Et donc je ne doute pas. Oui, qu'on avait le droit de pas embaucher des noirs. Exactement. Mmh. Alors qu'on est quand même sur, en termes de droit, on est pleinement sur la question de la discrimination raciale. Donc j'ai pas, même si on peut trouver un certain nombre de personnes qui s'offusquent des positions d'Éric Zemmour, y a quand même peu de gens qui réclameraient. À la limite, je vais vous poser la question, est-ce que vous réclameriez que sa carte de presse lui soit retirée, qu'il ne soit plus éditorialiste à CNews?